moitié, c'est des activités culinaires multiculturelles. En fait, c'est juste rassembler des gens de différentes cultures autour de la table. Et les cours de cuisine, en fait, sont donnés par des femmes immigrantes qui habitent à Montréal depuis très peu de temps ou depuis très longtemps. Moi, j'essaie de rassembler les gens. Puis les participants, c'est des Québécois, des immigrants, de tous les âges, de 25 à 65 ans. On a fait une quinzaine d'ateliers, une quinzaine de potlucks aussi. À chaque fois, on touche entre 8 et 12 personnes, de donner la chance à des personnes qui ne sont pas des chefs professionnels, mais qui ont vraiment un savoir-faire de leur culture d'origine, de leur bouffe. Ça me donne envie de répéter l'expérience, puis ça me donne aussi envie de connaître mieux les gens d'ici.